Bon, bonjour à tous. Bonjour Patrick. Bonjour Olivier. Comment tu vas? Mais ça va, je te remercie. Alors Olivier, grand changement chez toi. Oui, ben, depuis cette année, donc depuis quelques mois, on importe des koi donc, du Japon. Ça nous manquait un petit peu dans notre gamme parce qu'il y a pas mal de nos clients qui nous demandaient ces poissons-là. Et donc on a fait l'effort depuis le mois d'octobre, on a ramené quelques sujets du Japon et on en a encore reçu hier soir. Donc ces poissons-là que vous avez sous les yeux sont arrivés hier. Donc ils sont encore un petit peu fatigués, mais on voit quand même qu'ils ont bien supporté le voyage. Alors déjà des grandes pièces hein, pour des Nisai de 2 ans, on a mesuré quelques-uns hier soir. Ça commence à le faire quand même. Oui, c'est des poissons donc, qui sont issus de chez Ogata, donc dans le sud du Japon. Et c'est des poissons de 2 ans, donc des Nisai, qui font pour la plupart d'entre eux entre 50 et 60 cm. Et donc c'est des poissons qui ont un gros potentiel de croissance. C'est ça. Alors bon, il n'y a pas que du poisson de 50-60, heureusement. Il y a aussi un peu pour tous les goûts et tous les budgets. Oui, tout à fait. Donc bien sûr, il y a des pièces d'exception comme celles que vous avez sous les yeux. Mais on a également des petits osai qui font entre 15, 18, 20 cm. Et donc qui sont à la portée de toutes les bourses et qui permettront... pour la plupart d'entre eux, d'avoir des poissons de cette taille-là dans quelques années. Alors là, bon, c'est une exclusivité que tu as ici pour les poissons d'Ogata, mais tu as également rentré du poisson de la région de Niigata, différents éleveurs. Oui, tout à fait. Donc Ogata, on a l'exclusivité de la distribution pour le territoire français, mais on a également rentré forcément des poissons qui viennent des autres éleveurs du nord du Japon. Donc pour en citer quelques-uns, on a des poissons de Shinoda, Kaze, Yagenji, enfin les principaux éleveurs les plus connus du nord du Japon. Alors bon, tout ça, il va falloir un petit peu réaménager le site ici. Alors oui, tout à fait, comme tu as pu le voir tout à l'heure, on a déjà fait 2 nouvelles serres là, de 300 mètres carrés et on est en train d'en aménager une 3e donc, qui va être dédiée au koi Japon. Donc c'est une serre qui va ressembler un petit peu à ce que l'on peut trouver au Japon, un peu les mêmes infrastructures, des grandes fosses de 20 à 30 mètres cubes avec des filtres intégrés. Et donc on pourra présenter les poissons comme on les présente au Japon. Donc j'espère que ça sera un plaisir pour les yeux de toutes les personnes qui pourront venir sur notre site. Oh bon, il y a bien sûr ton site, le site ici de Bram. Oui. Mais il n'y a pas que Bram, parce que bon, tu vas un petit peu disséminer tout ça au travers de la France. Oui, tout à fait. Donc on est en train de voir avec nos plus gros clients et des magasins qui sont spécialisés sur la distribution du matériel et du poisson en France. Donc dans les quelques semaines, dans les mois à venir, vous connaîtrez un petit peu tous les points de vente qui vont distribuer ces produits et ces magasins-là forcément auront l'exclusivité de la distribution pour leur secteur géographique de ces produits-là. Donc pour le secteur géographique, on pourra retrouver ça sur votre site internet. Voilà, tout à fait, on pourra retrouver ça sur notre site internet. Vous aurez la liste de tous les revendeurs sur le territoire français par zone géographique. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas votre site internet, donc il vaudrait peut-être mieux rappeler l'adresse du site internet. Donc c'est www.etan-occitanie.com. Donc c'est un site qui l'on est en train de renouveler cette année et sur lequel vous pourrez aussi voir les photos de quasiment toutes les belles pièces que l'on a, des photos des différents lots d'Otosai, de Nisai et ainsi de suite. C'est ça. Alors bon, c'est un début parce que bon, on va certainement augmenter l'arrivage au fil du temps. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est les deux premiers arrivages que l'on a fait cette année. On a déjà eu une forte demande de la part de nos clients habituels sur les koi Japon. Donc ça nous a pas mal surpris. Et donc on va continuer à développer la koi Japon sur le marché français. Et on espère dans les années à venir que les Français seront un peu plus connaisseurs des koi Japon et pourront apprécier la beauté de ces poissons. Alors ce qu'on peut aussi dire, c'est que bon, peut-être d'ici... mois d'octobre, novembre, il y aura encore un autre grand nom qui devrait apparaître dans les bowls chez toi. Oui, tout à fait. Donc, je ne peux pas trop le dire pour l'instant, mais il y a un des plus grands éleveurs du Japon, du sud du Japon, pour lequel nous allons distribuer les produits en France. Donc, ça sera divulgué d'ici quelques semaines, je pense. On va garder un petit peu le secret si toutefois il y en a un. Mais enfin, bon, soit, hein, je crois que ça serait intéressant. Ce qui veut dire que bon, tu vas pouvoir présenter ces koi un petit peu au travers de tout ton réseau. Tout à fait. Et je pense que bon, les Français qui disent toujours qu'il n'y a rien chez eux, peuvent plus dire ça. Non, tout à fait, parce que cet éleveur, c'est, je pense, que celui qui fournit les plus grands champions actuellement dans les koi shows, même depuis des années. Et donc, c'est chez lui que l'on retrouve les grands champions des dernières années. Et donc, c'est vrai qu'on sera fiers de pouvoir proposer ces poissons-là sur le marché français. Et on trouvera maintenant sur le marché français des poissons vraiment de très haute qualité.
Alors bon, bien sûr, en termes de variété, on peut trouver un petit peu tout ici. Oui, oui, donc là, en termes de variété, forcément, vous avez un petit peu toutes les espèces qui sont représentées, aussi bien en Tosai qu'en Nisai, ça va du Kohaku au Sanke, enfin tout ce qui est Go-Sanke forcément, et, mais il y a également du Kikusui, Yamato Nishiki, enfin toutes les espèces que l'on peut trouver au Japon qui sont représentées dans nos bacs. Il n'y a plus qu'à acheter un coup d'œil dans le site internet, il sera mis à jour dans combien de temps? Bon, donc là on y travaille, hein. Tous les jours on l'améliore, tous les jours on rajoute des photos, donc il nous faut quand même, on va laisser quelques jours de repos à ces petites koi qu'on vient de recevoir, et on va les prendre en photo une par une et on va les introduire sur le site. Enfin je pense qu'ici, il y a pas mal de monde ici pour tes portes ouvertes, mais bon l'accueil a été vraiment extraordinaire, hein. Je pense que personne ne peut dire que... Il a vu des poissons de basse qualité ici. Non, tout à fait. Là, bon, on est vraiment, vraiment surpris du nombre de personnes qui sont venues aujourd'hui pour voir notre arrivage de Koi Japon. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de personnes sur le site pour les journées portes ouvertes. Je pense qu'on se rapproche des 200 personnes qui seront passées sur le site dans la journée. Donc, c'est qui est vraiment très, très bien. Et c'est qui permet aussi de promouvoir ces poissons-là. Voilà. C'est ça. Bon. Eh bien, il ne restera plus qu'à nous maintenir informés quand on aura encore des arrivages et puis... De nous montrer un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la qualité des poissons que tu proposes. Tout à fait, mais j'y manquerai pas. Donc dès qu'on fera des nouveaux arrivages, des sujets d'exception, qu'il y aura des nouvelles un petit peu de ce que l'on est en train de faire avec le Japon, je vous tiendrai informé via notre site internet et via les autres réseaux, donc à Kotek Nobel également. Eh bien voilà, je te remercie Olivier. Et puis moi, je peux te dire qu'une seule chose, bonne chance pour la suite. Merci Patrick. Comme on dit chez nous, merde. merci beaucoup. Merci d'être venu. Et puis nous, on s'y est informé. De toute façon, voilà, donc la France va changer de visage avec ce grand distributeur que sont les étangs d'Occitanie. Et ça permettra de retrouver dans votre région aussi des koi de qualité. Je crois que tout le monde en sera très heureux. Oui. Et puis voilà... nous, dès qu'on aura des nouvelles, on vous le signifiera. Et puis à très bientôt. Et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Merci.